Maintenant, on va voir les facteurs et les mécanismes de la cascade. Donc, une tumeur maligne présente plusieurs anomalies phénotypiques, telles qu'une croissance excessive, un potentiel d'envahissement local et une capacité de métastasie. Ces caractéristiques sont acquises progressivement, étape par étape. Ce phénomène est appelé la progression tumorale. Donc, le stade de la progression tumorale, c'est ça. Donc, étape par étape, on va avoir la croissance excessive, le potentiel d'envahissement local et après la capacité de métastase. À l'échelon moléculaire, la progression tumorale est le résultat de l'accumulation des altérations génétiques. Phénomène par initiation et par promotion hors programme. D'accord ? Initiation et promotion. Donc, la progression, les caractéristiques de la progression, tout du monde est bon. La croissance excessive, le potentiel d'envahissement et la capacité de métastaser. Et ces phénomènes sont acquis progressivement en fonction de l'accumulation et de l'altération génétique. Mais retenez sur les questions plus bancales. D'accord ? Les agents carcinogènes. Donc, un grand nombre d'agents carcinogènes peuvent entraîner des lésions génétiques et induire une transformation néoplasique. On distingue trois catégories d'agents carcinogènes. Il y a les agents carcinogènes chimiques, les radiations ionisantes et les micro-oncogènes, essentiellement les virus. Donc, carcinogènes chimiques, les radiations et les micro-oncogènes, essentiellement les virus. D'accord ? Commençons par les agents chimiques. Les substances chimiques, on distingue les substances chimiques qui ont une action directe, c'est-à-dire qui induisent directement les lésions ORL, et telles que les alkylants, les amiantes, l'arsenic, et les substances chimiques ayant une action indirecte, c'est-à-dire ce sont des pro-carcinogènes et qui nécessitent une modification ou une action enzymatique in vivo pour devenir oncogène, tels que les hydrocarbures aromatiques, les amines et les colorants azoïdes, les substances naturelles et les microorganismes, la thalassine B1, les nitrosamines et les amines, les insecticides et le chlorure de l'huile. Donc, vraiment, ils nécessitent une action en immuno pour devenir oncogène. Autre deuxième groupe, ce sont les radiations ionisantes. Donc, il faut retenir que toutes les radiations sont carcinogènes. Il n'y a pas de radiations qui ne sont pas carcinogènes. D'ailleurs, nous observons des cancers cutanés chez les pionniers de radiologie, des cancers du poumon chez les mineurs et les leucémies myélocytaires aiguës chroniques, ainsi que le cancer du sein, du côlon, de la thyroïde et du poumon après la mort de l'Hiroshima et de la thyroïde chez les survivants. Donc, toutes les radiations sont carcinogènes. Et troisième groupe, ce sont les microbes carcinogènes. Donc, les microbes carcinogènes, il y a quelques bactéries carcinogènes. Essentiellement, il y a l'hélicobactère pylori qui est responsable de la forme de l'estomac et de cancer gastrique également. Mais en dehors de ces rares bactéries, la carcinogénèse microbienne est surtout virale. Donc, actuellement, 6 virus sont bien établis comme carcinogènes. C'est l'HPV, le BV, le virus de l'hépatite B, l'HTLV1, le virus de l'herpès vite et l'HIV-AI2. Donc, uniquement ces 6 virus sont actuellement considérés comme des virus directement impliqués dans la carcinogène. Donc, le domaine a un peu compliqué les questions comme le premier pathologie associée. Tableau fait là.
qui m'a permis d'être médiateur, et je vous pose une question. Donc, le virus de l'hépatite B, donc l'hépatocarcinome, l'HPV, donc le cancer du col et le cancer génitaux, le BV, donc le lymphome du tuberculose, dans la maladie de Hodgkin, dans la lymphome marginale, dans la lymphomité, moi je me sens également dans le CMV, dans le CMV pour le patient nasopharyngé tout d'abord, l'HPV, dans le sarcome du Kaposi, dans le lymphome du Kaposi, l'HTLV1, dans les lysémies et les lymphomités de la lutte, et l'HIV1 et 2, dans le sarcome du Kaposi. D'accord? Donc,